Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour dessiner un tracteur. Alors on va commencer par dessiner un rectangle. Voilà. Ici on va placer les roues. Là et là. Ça va être le centre des roues. On va commencer peut-être par la cabine au premier. Donc on va couper en deux, remonter. Donc ça va être le haut de la cabine. On va faire un carré. Carré, voilà. On peut même arriver comme ça pour la cabine. Et dans ce cas, on met les côtés. Voilà. Hop. Donc ça c'est le haut de la cabine du tracteur. Pour ce qui est des roues, je vous conseille, alors moi j'ai pris, soit vous prenez un compas, pour les plus petits vous pouvez prendre par exemple un gobelet où il y a deux côtés. Un petit côté et un grand côté. On va positionner d'abord le petit au milieu pour tracer la roue. Hop. Voilà. Et faut pas oublier qu'elles tombent toutes les deux pareilles. Donc si le petit on a bien mis au milieu, le grand on va le mettre un peu au-dessus. On le pose bien par rapport à la ligne qui touche par terre là. Et là, on fait le cercle de l'autre grosse roue. Voilà. Alors, pas évident non plus. Hein. Avec le compas, ce sera beaucoup plus facile. Et l'autre grosse roue. Donc, c'est pas par rapport à ce point. Par rapport à un point comme ça. À la limite. Trouver une autre forme. Un petit peu plus petite. Voilà. Ici, on va refaire un petit rectangle pour le moteur. Ici, on va faire un ovale et on fait comme ceci pour le phare. On peut en faire un autre derrière, mais on ne le voit pas très bien. Voilà. Et ici, on monte un peu comme une paille. Voilà, c'est une sorte de paille. Lié au moteur. Ici, ça va être le volant. Et on fait comme un triangle. Donc, c'est à l'intérieur de la cabine. Voilà pour ça. Alors, pour grimper, il faudra une petite échelle. Petit escabeau. Voilà. Et ici, pour protéger de la boue. Hop. Et un autre là.
Et pour revenir sur les roues, on peut leur faire des creux. Voilà, comme des petits rectangles à la forme. Idem de l'autre côté. Et après, vous pouvez repasser tout ça au feutre en gommant les traits de construction. Et voilà. On peut gommer. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour le prochain cours. N'hésitez pas à tout colorier. Hop, comme ça c'est mieux. Oui, je fignole. Je fignole. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.